Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2018, plein de bonnes choses, plein de bonheur et plein de musique. Alors pour démarrer cette année, on rend encore hommage à notre idole nationale Johnny Hallyday et on va essayer de regarder aujourd'hui ensemble Oh ma jolie Sarah. Alors c'est Seb qui m'a demandé ce tuto, donc Seb, je te remercie vraiment pour ton soutien et puis je te souhaite personnellement une très très bonne année 2018. Donc on perd pas de temps, vous prenez votre guitare électrique et c'est parti. Alors ce morceau a été créé en 1971, donc autant vous dire qu'il y a eu plein de versions de fait entre la version studio et les différentes versions live. Donc je me suis inspiré un petit peu de tout ce que j'ai pu écouter et puis j'ai vraiment bien aimé la version live au Stade de France, je crois, avec son fils David Hallyday, qui est vraiment très bon à la batterie. Et j'ai aussi beaucoup écouté la version de Taratata avec M. Alors déjà, dans un premier temps, si vous êtes débutant, je vais d'abord vous montrer les accords. On aura besoin d'un La majeur. On aura besoin d'un Ré. On aura besoin d'un Mi. Et un dernier accord, un accord barré qui sera un Si mineur. Si vous maîtrisez déjà ces quatre accords-là, La, Ré, Mi, Si mineur, déjà vous allez pouvoir vous amuser à gratouiller la guitare et puis à chanter par-dessus. Donc nous on va surtout regarder la version électrique, mais voilà à peu près comment on pourrait fredonner la mélodie avec les accords. Oh ma jolie Sarah. Non, 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 non. On va faire une deuxième fois pareil, la majeure. Oh. Deux mesures de Ré, Mi majeur et La majeur. Ensuite on va passer sur le refrain. La 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 Si mineur. La 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 Ré. Je n'y suis pour rien. On recommence. La 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 la. Si mineur. Bon, je vous fais ça à l'arrache, mais l'idée c'est que sur le couplet ça sera deux mesures de La. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Deux mesures de Ré. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Deux mesures de Mi. Et deux mesures de La. Faire un deuxième couplet, deux mesures de La, deux mesures de Ré, deux mesures de Mi, deux mesures de La. Et pour le refrain, deux mesures de La, deux mesures de Si mineur, deux mesures de Ré, et deux mesures de La. Et on refait ça une deuxième fois. Et si vous avez ça, vous avez tout le morceau quasiment. Alors n'oublions pas que normalement, il y a plusieurs guitares. Il y en a au moins deux, et puis il y a un clavier derrière, plus la basse, plus la batterie, etc. Donc en fait, au niveau orchestration, ça joue pas mal. Par exemple, si vous jouez ça avec un pote, ce que je vous ai montré avec les accords ouverts, ça peut très bien passer. L'un qui va faire ça,
on va dire, et qui va chanter, et l'autre qui pourrait faire quelque chose d'un petit peu plus rock'n'roll. On est donc en tonalité de la majeure, et le plan qu'on va faire est dans la pure tradition blues rock, le voici. D'accord ? Donc en fait, c'est très syncopé, c'est-à-dire que le premier power chord 0-2 va démarrer en l'air du 4. 1, 2, 3, 4 et... D'accord ? Cette note-là qui est en l'air du quatrième temps sur le et, 1, 2, 3, 4 et... va être prolongée sur le temps suivant. Ensuite, sur le deuxième temps, on va faire 0-4. En note courte, cette quatrième case va être jouée avec le troisième doigt. Et ensuite, on va aller chercher la cinquième case. Donc là, il y a deux possibilités. Soit le petit doigt. D'accord ? Ça serait une note courte également. Ou alors, on peut déplacer le troisième doigt. À vous de voir. Donc ça va donner 2, 4, 5 sur la corde de ré. Avec toujours en attaque la corde de la. 2, 4, 5. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire deux croches sur le quatrième temps et on va faire 4-2. Une fois qu'on a fait ça, on va répéter ça en boucle. En fait, toutes les notes sont courtes, sauf le voicing 0-2. Regardez. Long. Commence donc avec cette introduction là qu'on pourrait faire 8 fois. Ensuite arrive le couplet à faire 2 fois. Deuxième fois. Mais ce qui se passe, c'est que la deuxième fois, lorsqu'on fait 4-2, c'est ce qu'on faisait habituellement, là on va faire 0-4 et on va anticiper l'accord de ré qui arrive. Donc pour l'accord de ré, on pourrait très bien le faire 0-2, 0 sur l'accord de ré, et puis la deuxième case en dessous, et faire le même plan. Pourquoi pas, si vous êtes à deux guitares, il y en a un qui peut le faire ici. Moi, je vais vous le montrer à la cinquième case. Donc, je mets mon premier doigt, cinquième case, corde de la. Troisième doigt, septième case, corde de ré. Voici mon power chord. Donc, la transition va se faire comme ça. Ok. Ensuite, je vais garder cet accord-là, le power chord en ré, ré 5. Et avec le petit doigt, je vais aller chercher la neuvième case et après la dixième. Ce qui me donne 5-7, 5-9 et 5-10. Donc il y a une bonne extension à faire. Ça sera à faire deux fois. Donc le plan en ré va être celui-ci. D'accord ? Donc à faire deux fois. Première. Et la deuxième fois, sur le même principe du mouvement en la qu'on a fait tout à l'heure vers le ré, on va l'anticiper vers l'accord de mi, qu'on pourrait faire ici. D'accord ? Donc s'il y a une deuxième guitare, pourquoi pas la guitare la faire ici, et une autre guitare faire le mi en power chord 7-9. Donc transition du ré vers le mi. D'accord ? Toujours sur le E. Quatrième temps, et là on va faire le même schéma qu'on a fait en ré, sauf qu'en mi ça va donner les cas 7-9, 7-11, et à nouveau extension avec le petit doigt, 7-12, d'accord ? Et la deuxième fois, on reviendra vers le la, d'accord ? Donc voilà comment ça va se passer du ré vers le mi. Première fois. Deuxième fois.
deux mesures de la, anticipées vers le ré, deux mesures, anticipées vers le mi, deux mesures, anticipées vers le la, deux mesures. Et ensuite, on va refaire ça une deuxième fois complètement. Donc, je vais vous jouer ça très lentement. 1, 2, 3, 4. On est sur le couplet. Anticipation ré. Mi. Et le la. Deuxième couplet. Pareil. Le ré. Deux parties guitare, et là je m'inspire un petit peu de ce qu'on peut entendre dans la version de Taratata avec Mathieu Chédid. En fait, on voit bien que Mathieu Chédid, en fait, il fait des barrés ou des power chords sur le refrain. Donc n'oublions pas qu'on va sortir du couplet avec une anticipation de l'accord de la sur le et du 4. Deuxième fois. Une deuxième fois. Donc je vais faire le power chord du La sur le E du quatrième temps. Je laisse sonner comme tout à l'heure sur le premier temps de la mesure suivante. Ensuite sur le deuxième et troisième temps, je vais attaquer mon power chord plutôt des notes courtes. D'accord ? Donc ça me donne 1, 2, 3, 4 et. Sur le quatrième temps, je vais faire une note morte et je rattaque sur le E du quatrième temps mon accord comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, et. Ensuite, une fois que je l'ai fait deux fois, je vais passer sur le power chord de si. Hein, souvenez-vous, l'accord de si mineur qu'on jouait tout à l'heure. Je vais faire quasiment deux fois la même chose qu'en la, mais en si. Sauf qu'en fait, il va y avoir un petit mouvement chromatique pour aller vers le ré. Et je vais faire ça comme ça, donc. Première fois du si. Deuxième fois. D'accord ? Donc sur la deuxième fois du si, on va faire sur le deuxième temps l'accord de si. Sur le troisième temps, le si. Le et. Déplacement de l'accord à la neuvième case. Et ensuite, sur le et du 4, je vais faire le ré. Et entre les deux, je vais faire une note morte. Donc ça va me donner... 4, 2, 3 et 4, d'accord ? Donc je reprends sur le La, 1, 2, 3, 4, et 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, d'accord ? Donc le Ré lui aussi a été attaqué sur le E du 4, 2, 3, note morte, 2, 3, et je reviens sur le La. Je vais refaire deux mesures de La. Et une fois qu'on a fait ça, on recommence le refrain deux fois. Donc voici le refrain très lentement. 1, 2, 3, 4. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Deuxième fois. Après, on reprend sur le couplet. Donc là, je vous ai montré une partie qu'on peut faire en guitare numéro 2. Maintenant, je vous montre ce que pourrait faire la guitare numéro 1 sur le refrain. 1, 2, 3, 4, et... Voici comment on pourrait faire ça. On va démarrer sur le E du 4 avec le power chord de La. D'accord ? On va le laisser sonner jusqu'au temps suivant. Après, on va rattaquer que l'accord de La vide pour attaquer 0-4. Ok ? Et je reviens sur le 0-2.
premier, on entoure le refrain. Plusieurs fois sur le la pour que vous captiez bien le mouvement rythmique. Encore. Ça sera donc à faire deux fois et à chaque deuxième fois, il faudra anticiper l'accord suivant. La. Alors sur le si, même si c'est un si mineur, on va faire le mouvement du rock. Donc j'ai un power chord en 2-4. Et avec le petit doigt, on va aller chercher 2-4-6 sur la corde de ré. Et ensuite on va passer sur le ré. Donc deux fois en la. Sur le ré, on va faire un mouvement chromatique de 4 à 5. Tout à l'heure, on faisait le mouvement 9-10. Là, on va faire le mouvement 4-5. Donc, sur le si, ça va donner 4-5, ré et le la. Et on recommencera ça une deuxième fois pour finir le refrain. On fait ça très lentement. Vous avez fait le couplet et le refrain, souvent il y a une petite partie avant de reprendre sur le couplet. Alors des fois c'est des parties qui sont plus ou moins longues, donc là-dessus vous pouvez très bien faire le mouvement de l'introduction. Alors des fois il y a juste deux mesures, donc par exemple ça correspondrait à ça. Il me semble que sur la version studio, une fois qu'ils ont fait le couplet, le refrain, la petite partie couplet-refrain, après je crois qu'à un moment donné, il y a un passage qui dure 6 mesures. Donc là, vous pouvez très bien faire pendant 6 mesures cette partie-là, l'intro. En fait, après, donc, vous repartez sur couplet x2 et ensuite c'est refrain jusqu'à la fin. Alors la vitesse du morceau peut changer d'une version à une autre. On va dire qu'il faut être à peu près capable de jouer entre 120 et 130. Là, je vais vous faire une petite démo plus lentement pour que vous voyez à quoi ça ressemble et pour que vous puissiez le jouer avec moi. Et on va se mettre noir à 110. 1, 2, 3, 4. Couplet. Deuxième fois. Refrain.
Voilà les amis, c'était donc une petite adaptation que je voulais vous présenter sur le morceau « Oh ma jolie Sarah » de Johnny Hallyday. Et puis on continuera encore au mois de janvier à faire notre hommage à Johnny Hallyday parce qu'il y a vraiment plein de bonnes chansons à connaître, à se mettre sous les doigts. Et puis ça fait partie du patrimoine français. Et puis on aime bien parce qu'il y a des petits riffs blues et rock'n'roll comme on aime à la guitare. Alors à très vite, bonne journée et encore une fois, bonne année 2018 à tous.